Cinnamome de Ceylan, noix de muscade, maniguette, cyperacée. Les Portugais, eux, se lancent dans le contournement de l'Afrique et doublent le Cap Vert en 1444. Alors, ce n'est ni le tabac, ni le pinard, ni le cannabis. La plus grande drogue du 21e siècle, mais c'est le chocolat. En France, les premiers dealers de cacao sont les juifs maranes, chassés d'Espagne, puis du Portugal par l'Inquisition. À moins d'un sol la tasse, le chocolat des Albares Sarmiento passe pour être le meilleur de Bayonne. Parfum de la boutique où son grand-père tient son commerce. Sucre, vanille, cannelle, cacao. C'est devant la cheminée qu'elle déguste, papilles en éveil, le chocolat velouté, où elle puise sa force.